Voici encore quelques conseils très importants avant de commencer. À ne surtout pas négliger l'importance d'un bon échauffement. Les muscles et les articulations vont être très sollicités. On aura donc un échauffement différent par niveau pour bien préparer le corps à tout le travail que l'on va lui demander. Pour lui éviter de se blesser aussi et pour qu'il puisse mieux récupérer par la suite. Il est aussi important de bien s'hydrater, que ce soit pendant la séance, en buvant beaucoup d'eau et aussi en dehors. Quand je parle d'hydratation, je parle aussi de l'hydratation de votre peau. Car une peau trop sèche et mal hydratée n'accrochera pas bien à la barre justement. En général, on évite de mettre de la crème le jour même, on s'hydrate la veille, mais il existe des crèmes que vous pouvez mettre une ou deux heures avant votre séance par exemple. Donc il y a des crèmes que j'aime beaucoup comme la Dermexa, sinon il y a aussi la Dexeryl ou encore même le Monoï de chez Yves Rocher qui hydrate bien la peau et qui laisse un effet un peu collant sur la peau, donc parfait pour accrocher. Vous avez aussi l'aloe vera pur à appliquer sur la peau, qui est bien. Qui est aussi bien efficace du coup, hein, lorsque l'on a la peau sèche. Attention aussi, il est important de ne pas vouloir avancer trop vite, au risque de se blesser. Attention, prenez votre temps, ne bâclez pas les figures. Même si cela prend plusieurs séances pour avoir un mouvement, c'est normal. Lors de vos séances, pensez à travailler vos deux côtés. Donc on a toujours tendance à privilégier son meilleur côté. Mais pour avoir un bon équilibre dans votre pratique, faites les deux côtés. Vraiment, essayez. Faites-le. Enfin, pour terminer en pôle, il existe deux différents modes que nous allons voir. Le mode statique, la barre est fixe. Et vous avez le mode spinning, la barre tourne sur elle-même. Vous verrez au fur et à mesure que ces deux modes ne demandent pas le même travail. On commencera ici par travailler en statique, ce qui vous permettra de vous renforcer au fur et à mesure pour ensuite aborder le spinning.